Pour l'exercice 14 maintenant, combien de nombres compris entre 3000 et 4000 peut-on écrire en n'utilisant qu'une seule fois au maximum les chiffres 2, 3, 4, 5 et 6? Alors en fait, des nombres compris entre 3000 et 4000, ça veut dire qu'on n'a pas tellement le choix. Il va falloir commencer obligatoirement par 3. Ça, j'ai une seule possibilité pour ce chiffre-là. Et puis maintenant, il nous faut analyser la situation pour les autres. Alors pour les autres, est-ce que l'ordre entre en ligne de compte? Oui. 3254 et 3425 ne sont pas les mêmes. Les répétitions sont-elles autorisées? Non, puisqu'on veut n'utiliser qu'une seule fois au maximum chacun des chiffres. Est-ce qu'on les prend tous? Alors non, puisque on veut en prendre en fait que 3 parmi les 4 qui restent. Donc on a affaire à des arrangements simples de 3 éléments pris parmi les quatre chiffres 2, 4, 5 et 6, puisque le 3 a été éliminé pour servir de chiffre initial. Donc A, 3 parmi 4, c'est-à-dire 24 possibilités. Pour l'exercice 15, 5 personnes désirent s'asseoir dans un compartiment de 8 places. Quel est le nombre de possibilités? Alors, on a différentes manières de considérer ceci. On a notre compartiment de 8 places, disons. Et ce qu'il s'agit de faire, c'est en fait de soit de choisir dans l'ordre, pas de répétition possible et on ne prend pas tous les éléments, de choisir 5 places parmi les 8. Ça veut dire que on va attribuer à la première personne la première place qu'on aura choisie, à la deuxième personne la deuxième place qu'on aura choisie, etc. C'est pour ça que là, dans cette vision, on tient compte de l'ordre, que les répétitions ne sont pas possibles. La place 1 ne peut être attribuée qu'à une personne et je ne prends pas tous les éléments puisque sur les 8 places, je ne veux en attribuer que 5. Ce qui nous donne 6720 possibilités. Une autre manière de regarder ceci, ce serait de se dire, je choisis les places sans tenir compte de l'ordre, pas de répétition possible. Donc je me dis, sur les places 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, je vais en choisir 5 sans tenir compte de l'ordre, pas de répétition, je ne prends pas tous les éléments. Et c'est les 5 pour lesquels je vais me dire, tiens, ça c'est les places qui vont être occupé. Donc là, on choisit les 5 places parmi 8, combinaison simple puisqu'on ne tient pas compte de l'ordre. Et puis ensuite, dans ces 5 places, on peut permuter les 5 personnes. Donc là, on pourra tenir compte de l'ordre des éléments. Pas de répétition et on les prend tous. On prend les 5 personnes, d'où fois P5. Alors on trouve bien entendu le même résultat, à savoir 6720 possibilités. Et enfin, pour l'exercice 16. Alors, on a 36 cartes. Donc, sur les 36 cartes, on a 9 cœurs, on a 9 trèfles, on en a 9 qui sont des carreaux, et on a enfin 9 piques. On a 4 fois le 6, 4 fois le 7, 4 fois le 8, 4 fois le 9, 4 fois le 10, le valet, le roi, la dame et l'as. Donc on aimerait faire des groupes de 9 cartes qui contiennent 4 valets. Ça veut dire que ce qu'on pourrait considérer ici, peut-être avant de considérer la manière de faire, on va dire que je cherche à faire des groupes de 9 cartes. Rien ne me précise que je doive tenir compte de l'ordre. Hein. C'est comme quand on distribue les cartes pour jouer au Yas, etc. On ne tient pas compte de l'ordre. Les répétitions ne sont pas possibles puisque toutes les cartes sont différentes. Et enfin, je ne les prends pas toutes puisque je ne veux en sélectionner que 9 parmi les 36. Alors, pour avoir les 4 valets, eh bien, je vais faire deux tas. Un tas avec les 4 valets, un tas avec les 32 autres cartes. Et en fait, ce qu'il faut faire pour avoir un groupe de 9 cartes, dont les 4 valets, bien dans le premier tas des 4 valets, j'ai des combinaisons simples liées au fait que je ne tiens pas compte de l'ordre, pas de répétition, pas tous les éléments. Donc dans le premier tas de 4 valets, je dois les prendre les 4. Et puis il me manque encore, donc et fois, il me faut encore choisir 5 cartes parmi les 32 autres. Un total de 201 376 possibilités.
2 valets, 2 neufs. Donc on va faire un petit peu la même chose. Je fais un premier tas avec 4 valets, je fais un deuxième tas avec les 4 neufs, et puis je fais un tas avec les 28 autres cartes. Alors en fait, je veux 2 valets, il me faut en choisir 2 parmi les 4. Je veux 2 neufs, je choisis 2 cartes dans le deuxième tas qui contient également 4 cartes. Et puis là, j'en ai choisi 4, il m'en manque 5, mais à choisir cette fois-ci dans le troisième paquet, à savoir dans les 28 cartes restantes. Avec ça, je suis bien assuré d'avoir 2 valets, 2 neufs et donc 5 autres cartes pour compléter. J'obtiens un total de 3 538 080 possibilités. Troisième question, 5 cœurs. Alors là aussi, je peux procéder de la manière suivante. Je fais un tas avec les 9 cartes de cœur et un tas avec les 27 autres. Alors j'aimerais 5 cœurs, ce qui veut dire que je vais en tirer 5 parmi les 9 et il me manque 4 cartes à choisir parmi les 27 qui ne sont pas des cœurs, donc qui sont des carreaux trèfle pique, mais ça évidemment je les mélange toutes, ce qui me donne un total de 2 211 300 possibilités. Et enfin pour le 4, j'aimerais 5 cartes noires, donc trèfle ou pique, ce qui veut dire que je vais faire un premier paquet de 18 cartes noires, 4 cœurs. Alors je fais un deuxième paquet avec des cœurs, je mets les 9 cœurs, et puis j'ai aucun as. Aucun as, ça veut dire que je dois corriger les 18, je dois enlever les deux as, 16, je dois enlever l'as de cœur, 8, et puis en fait je mets ces cartes avec les cartes restantes, à savoir les 12 autres cartes. Et en fait, maintenant ce que je vais faire, c'est commencer par tirer 5 cartes noires parmi les 16, donc moins les deux as de piquet de trèfle, 4 cartes cœur, c'est-à-dire 4 parmi les 8, puisque j'ai enlevé l'as de cœur. J'ai suffisamment de cartes, je n'ai pas besoin d'en tirer parmi les 12 autres, ce qui me donne un total de 305 760 possibilités. Voilà, merci pour votre attention, une toute belle journée, au revoir.